Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Vous avez constaté que le décor a changé là-bas derrière. Donc, c'est l'ensemble des cadeaux que j'ai reçus de la fondation dans les orphelinats. Ici, un autre trophée, mon trophée qu'on m'avait refusé dernièrement. Voici ça qu'ils m'ont remis. Voilà, vous allez regarder les vidéos sur l'ensemble de mes quatre plateformes TikTok, YouTube et Facebook. Donc, comme vous regardez la première vidéo aussi, c'est sur la page Franco Le Mignon. La deuxième vidéo sera sur la page Franco TV. Facebook, bien sûr. L'ensemble des trois vidéos seront diffusées sur la chaîne YouTube Franco Le Mignon et mon compte TikTok Franco Le Mignon. Pour ceux qui veulent regarder l'ensemble des trois vidéos, non, chaque vidéo, c'est pour chaque orphelinat avec les contacts en bas. Voilà, je voulais préciser que deux personnes m'ont soutenu pendant la remise de ces dons. Une personne m'a envoyé 10 000, une personne m'a envoyé 15 000. Vous savez, les gens de la diaspora n'aiment pas qu'on affiche leur nom. Donc, bonne dégustation, c'était la magie. On chauffe. Chauffez. Chauffez. Tournez. Tournez. Un coup de feu. On recommence le même processus, c'est ça. United FC. Bonsoir avec mon cœur, la bénédiction avec mon cœur, et bénis.
bénédiction avec Pankaï. Donnez avec Pankaï. Applaudir quand même pour Koji. Voilà. Et Koji a dit, il a une surprise. Et cette surprise va s'accompagner en chanson. Je vais donc permettre aux enfants de Fedor de chanter pour qu'on accueille ensemble. On accueille quoi ensemble? On accueille quoi? Voilà. Le temps nous tient à la gorge, on va aller rapidement. Mais à la fin, il y a une grande surprise. Et la grande surprise, c'est la maison Fedor. Ils ont décidé de nous faire aussi une surprise, comme on leur a donné une surprise. Ceci dit, je vais directement passer le micro au président United FC de Banengo qui va dire un petit truc juste en quelques secondes pour dire merci à ses enfants. Président. Bonsoir à la Fondation Fedor. Bonsoir à la Fondation Fedor. Ok. Les enfants, vraiment, je vous avais dit, je ne dois pas vous abandonner. C'est Fabrice Singh qui m'a fait connaître la Fondation Fedor. Moi, je ne savais pas. Et pour ceux qui me connaissent, j'avais dit, je devrais tenir ma parole et j'ai prié le Dieu Tout-Puissant qui peut toujours me donner la force de pouvoir toujours apporter ma petite contribution. Et le groupe United FC, par la voix de son président que je suis, vraiment apporte beaucoup son soutien. Pour beaucoup de personnes, c'était la première fois aujourd'hui de connaître la Fondation Fedor. Et je pense que dorénavant ou bien prochainement, on va être plus nombreux que ça. Parce que c'est une très bonne initiative. Et nous comptons sur vous les enfants. Soyez comme nous, grandissez, soyez obéissants. Respectez la maman, écoutez les conseils que la maman vous donne. Et travaillez dur pour que le lendemain vous soit meilleur. Allez les enfants. Est-ce qu'on va l'applaudir très fort? C'est le conseil du président. Ok, je profite aussi de l'occasion pour remercier la maman et tous ceux et celles qui passent le temps à encadrer mes frères. Je lui dis mes frères parce que le pro de loin, c'est que si nous sommes en famille déjà, je partage les mêmes sentiments que vous. Et le groupe United FC partage les mêmes sentiments que vous. Vraiment que Dieu vous bénisse, maman, qui vous donne toujours le courage, la force de pouvoir entretenir nos frères, nos enfants, nos fils et nos sœurs. Merci. Maman, j'ai pas dit. Voilà, toujours, on va directement passer le micro à Franco le Mignon qui va aussi dire quelque chose. Et après Franco le Mignon, on va recevoir notre surprise. Voilà. Applaudissez alors pour Franco le Mignon. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Est-ce qu'il n'est pas mignon? Il est comment? Il est comment? Le mignon parle alors. Est-ce que je suis mignon? Mais noise! Allez, bruit! Mets du bruit! Mets du bruit, je suis mignon! On dit que tu es plus beau que Jésus! Voilà, merci! Ok, avant de commencer, je vais dire merci à Fabrice qui nous a permis de découvrir cette fondation. Je dis merci également au club United FC de Banengo. Parce qu'il faut rappeler que leur visite était prévue au début de la rentrée, en septembre, au début. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai dit, les gars, je voudrais vous accompagner, je voudrais qu'on soit ensemble. Et ils ont accepté ma tente. Donc pour ceux, je leur dis d'abord merci infiniment de m'avoir attendu. Et je voudrais appeler ici tous les encadreurs de cette fondation. Ok, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre me connaît?
Vous me suivez? Très bien. Ok. Voilà, donc, je voudrais juste vous remercier pour le travail que vous faites depuis des années, depuis 9 ans que vous avez dit. Vous avez combien d'orphelins ici? On a 11 orphelins. 11 orphelins. Au total, là, c'est combien? Nous, au total, on a 57 enfants, mais présentement, d'autres ne sont pas là. D'autres ne sont pas là. C'est le total que je demande. Oui, on a 57 enfants. Ok, c'est ça que je demandais. Donc, nous ne sommes pas venus vous donner, nous faire les dons. Parce que, dit qu'on vient faire les dons là, c'est comme si ce qu'on donne là, ils vont manger même 2 ans. Non, nous venons juste découvrir la fondation afin de nous préparer donc maintenant pour venir vraiment faire les dons. Puisque quand j'ai annoncé qu'on devait venir rendre visite à la fondation, c'était un peu que c'était de l'ANA. Ceux qui me suivent depuis la diaspora, voilà, certains n'ont pas pris au sérieux. Donc je suis là sur le terrain et je vous présente les encadreurs. Ils sont 57 comme vous avez entendu. Et je présente un peu l'état de la maison. Comme vous pouvez voir, vraiment, cette fondation, c'est vrai, on a eu à visiter d'autres fondations. C'est la première fondation que nous visitons aujourd'hui. Depuis le matin, nous sommes en train de marcher de fondation en fondation. Voilà, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Vous avez dit vous louer. Et c'est pour cette raison que je vous ai fait appel pour vous présenter aux yeux de tous ceux qui nous regardent pour qu'ils essayent de faire mieux que ce que nous avons commencé. Voilà, c'est la raison pour laquelle je les ai présentés. Merci encore une fois de plus et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, maintenant je vais chuter avec mes amis. Vous m'écoutez? Voilà, merci parce que voilà, c'est bon. Je vais vous asseoir un peu plus en fait. Voilà, je vais me rapprocher du... mes amis là pour les parler. Voilà, vous pouvez faire tout le mignon. Moi-même je suis orphelin. Moi-même. Je sais déjà que tu es orphelin. Je sais déjà, c'est pour ça que les hommes sont venus. Moi-même, j'étais informé donc que moi-même, mon père, ma mère, ils ne vivent plus. Hein? Voilà, tu as compris ce que tu as compris. Voilà, donc nous sommes venus juste partager notre amour avec vous. Donc, on essaye de se connaître, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Franco Le Mignon, mais vous ne connaissez pas Franco Le Mignon. Voilà, j'ai aussi entendu parler de votre fondation, je ne connaissais pas votre fondation. Je suis venu donc aujourd'hui pour ton soutien. Voilà, donc ce qu'on est venu là, c'est juste l'eau. On va se préparer pour le jour. Et je suis venu juste vous souhaiter beaucoup de courage, n'est-ce pas? J'espère que vous partez à l'école. D'accord, donc concentrez-vous beaucoup pour vos études. Vous savez que l'avenir, c'est l'école, non? Donc, si quelqu'un veut être ministre demain, si quelqu'un veut être gouverneur, il y a les ministres qui étaient orphelins qu'on voit. Il y a les grands hommes d'affaires qui étaient orphelins qu'on voit. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes orphelin, c'est que tout est fini. Non, faites-vous confiance. Travaillez, priez. Et le reste va venir. Amen! Amen. C'est le message que je voulais vous dire, ce soir. Merci encore pour l'accueil, vraiment, je suis... C'était la magie. Merci. Merci beaucoup, le mignon. Et directement... Voilà. Que le Seigneur enlève cela et qu'il nous accompagne dans la paix au nom de Jésus. Amen. Les enfants vont vous mettre votre cadeau. Je comprends. On commence par Fabrice. Celui qui a pris l'avion pour atterrir à l'Ouest Cameroun. L'avion. C'est le jour de l'autre côté. Merci beaucoup. C'est un souvenir de la formation de l'Ouest. Merci beaucoup. Merci infiniment. Waouh. Merci. Merci. L'émotion est grande. Je suis sûr que nous avons tous des larmes aux yeux.
C'est parce que je me maîtrise seulement, c'est que ça coule. Ouais, je me maîtrise seulement parce qu'il faut quand même le dire. Beaucoup plus parmi nous sont orphelins, mais j'ai encore quand même la chance que mon père et ma mère vivent encore. Et c'est une leçon que je suis en train de tirer. Parce que je suis sûr que quand maman va partir, papa, je ne sais pas comment je vais me comporter. Je n'aimerais pas être à la place de Franco le Mignon, qui a perdu son père et sa mère. Je n'aimerais pas être à la place des uns et des autres ici qui ont perdu leurs parents. Mais on doit être très fort. Et ceci dit, je vais appeler directement le pasteur qui viendra bénir non seulement nos cadeaux et vos cadeaux. Et ensemble, on va vous dire au revoir. Mais si vous dites au revoir, voilà, Franco le miracle du pasteur. Please, vous attendez un peu, Franco le miracle que je vais dire. Merci beaucoup, pasteur. Juste une minute. Voilà. Très raison. Je dois avouer que mes larmes coulent intérieurement. Donc, je suis vraiment sans voix. Je suis même surpris que sur mon trophée. Ils m'ont refusé le trophée à Yaoundé. Voici ça pour ma frère. Voilà, et je voulais préciser que le nom est bien gravé, les Franco le Mignon, ce n'est pas le hasard. Avec un si joli tableau, vraiment, je vais vous répondre un autre jour. C'est Amen. Tout ce que je peux vous dire. Merci Amen. Beaucoup. Merci à Fabrice. Merci à... Alléluia. Merci à Franco le Mignon. Merci à tous les gens qui sont là ce soir. La Bible déclare que les orphelins sont le cœur de Dieu. Et toute personne qui bénit un orphelin a touché le cœur de Dieu. Ça veut donc dire que toutes ces équipes ce soir ont touché le cœur de Dieu. Et quand tu touches le cœur de Dieu, tu reçois véritablement une bénédiction éternelle. Et ce soir, je voudrais déclarer dans le nom de Jésus que vous tous, vous êtes bénis. Amen. La bénédiction du Très-Haut se repose sur chaque famille en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous déclarons la bénédiction céleste. C'est toi qui bénis. Et ta parole déclare que ta bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Père, que ta bénédiction se repose sur toutes ces personnes au nom de Jésus-Christ. Que le Mignon soit béni. Père, que FC soit béni. Amen. Que toute personne qui est accompagnée par ce président de FC, Seigneur Père, que chacun soit béni, leur famille bénie, leur maison bénie, leur entreprise bénie, leur travail béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prophétisons la vie et la bénédiction céleste dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Pour moi, c'était un réel plaisir. Mais comme a dit Franco, ça ce n'est qu'un œuf. La prochaine fois, on viendra une fois avec un poulet qui va prendre plusieurs. Voilà. On va prendre un poulet qui va prendre tellement. Voilà. Pour moi, je ne peux pas tout gagner. Moi, je ne peux pas tout gagner. Thank you.
Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.